L'audience s'est très bien passée, sur la fin dans un esprit apaisé et d'écoute. Nous pensons que justice va passer. Ah, écoutez, l'audience a duré près de 5h30. Il serait compliqué de pouvoir le résumer, mais je crois que le premier sentiment qu'il avait donné, puisqu'il exprime un sentiment, qu'il ne peut donc pas être un acte de volonté, c'est de dire « je suis un humoriste, mais je suis traité comme un terroriste ». Et je crois que les événements qui se sont passés et qui ont fait s'abattre sur lui près de 81 procédures en près de 6 mois le démontrent. Il peut légitimement avoir le sentiment d'être harcelé. L'audience s'est très bien passée, sur la fin dans un esprit apaisé et d'écoute. Nous pensons que justice va passer. Ah, écoutez, l'audience a duré près de 5h30. Il serait compliqué de pouvoir le résumer, mais je crois que le premier sentiment qu'il avait donné, puisqu'il exprime un sentiment, qu'il ne peut donc pas être un acte de volonté, c'est de dire « je suis un humoriste, mais je suis traité comme un terroriste ». Et je crois que les événements qui se sont passés et qui ont fait s'abattre sur lui près de 81 procédures en près de 6 mois, le démontre. Il peut légitimement avoir le sentiment d'être harcelé.